parce que tu vas mourir. Je ne vais pas mettre les pieds là-bas. Tu vas chercher toi, tu veux. Je te maudis. Je te maudis, je vais mourir. Calme-toi. Attends. Je viens tout de suite, attends. Petit maudit là, toi et tes bâtards de frères, vous avez tout gâté. Nixon a été bombé, tout part mal mort. Vous apportez la force ici quoi. Non, vieux père, hein? Tu vas pas me faire ça. Tu m'as fait confiance et moi je n'ai rien écouté. Vieux père, je suis ton enfant, ton fils. Quel tu sais tout de moi, ancien. Vieux père, ne me laisse pas où je suis. Si moi la paix là, vous avez perdu la tête ou bien quoi. Moi, c'est un petit galeux là. En fait, n'importe quoi, ça n'est dit au vieux père. Comment bouge là. Bonjour la vie. Tu viens quoi avec ma fille? Toi, vagabond, sans rien comme ça, tu traînes ma fille dans les mauvais chemins. Sale comme ça. Tu oses parler à ma fille qui est mieux élevée que toi. C'est combien toute la nourriture? 15 000. Tiens, voilà 30 000 francs. Va te reposer maintenant. Mais pourquoi? Non, celui que tu traites de sale, vagabond, sans rien, celui qui te dit va te reposer. Toussaint. Viens, Toussaint. Ma mère n'a pas raison sur toi. Mais la vie que tu mènes au ghetto, moi, ça me fait pas plaisir. Mais c'est dans le vol que je vole pour t'habiller. Mais arrête de m'acheter tout ça. Maintenant que Nixon est pris, je sais ce que tu vas faire maintenant. Je te connais trop. Oh. Écoute-moi, c'est très dangereux. La police doit m'attendre Nixon en ce moment. Ils vont savoir que tu es son ami, ils vont venir te chercher. Ils vont te charger même pour t'éliminer seulement. Et tout ce qu'ils veulent. C'est de vous éliminer comme des poulets malades. C'est bon comme ça, il a compris ce que tu dis. Nixon, c'est mon ami, c'est mon fiston. Il a peut-être mal fait. Et à cause de lui, on a la poisse. Mais on cherche tous un bon destin. Tu ne peux pas le laisser. Et puis, un homme peut changer s'il a un autre homme à côté. S'il n'a personne, il va toujours faire les mêmes trucs. Mais tu n'as pas l'argent nécessaire pour le faire sortir de là. Je dois tout risquer pour ça. Nixon a trop souffert au ghetto. Il avait souvent raison de se révolter en cherchant par lui-même. Et ça, c'est une vérité qui éclate au grand jour maintenant. Mais c'est pas la peine de mourir pour ça. Si, justement. Mais dis-moi, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais si tu laisses tomber les sciences? Travailler chez quelqu'un pour 10 000 francs par mois ou porter des charges pour 500 francs par jour? Je t'ai dit que je suis cassé. Piston, je pense trop à ta vie. Je veux pas que tu deviennes comme moi. Non, vieux père. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui ont réussi dans les sciences. Nous sommes moisis. Ce qu'a fait, c'est en prison. Je peux pas le laisser. C'est vrai que nous portons ces cueils-là, tombe là. C'est une vie dangereuse. Mais on peut gagner gros dedans. Qui risquerait n'a rien? Pépé Tyson, va faire un rendez-vous. Ok, à tout à l'heure, on s'attrape. Regarde. Dans le ghetto, il peut y avoir de l'amour, mais il n'y a pas de sentiment. Un bandit est un lâche. Il peut te donner si son intérêt est plus fort. Regarde, entre nous, on sait que ça ne peut jamais arriver entre les vrais guerriers. Vraiment, quand on est jeune, on ne se pose pas trop de questions, quoi. Mais quand on commence à vieillir sans rien, c'est là qu'on se demande où on va et on comprend qu'on ne peut pas forcer le destin. Qu'est-ce qu'on cherche solo? C'est devenir quelqu'un demain. Et aujourd'hui? Non, il n'y a pas moyen de faire autrement que recommencer. On peut traverser la jungle sauvage avec un ticket des eaux. Pouah! Donc on va faire maintenant un grand philosophe. Vieux père, pardon, ouais. Il faut accepter. Ok. Sur le grand B. Ça sera mon dernier coup. Les armes là sont bien. Ouais. Mais c'est trop cher. Non, fond, mais... Trop cher. Trop cher, Joe. Moi, c'est qui chauffe mon cœur. Vous avez eu ces amis en cadeau parce que la guerre chez vous. Non, non, non. Vous ne comprenez rien, c'est libéré. Oui, on comprend comment. Arme là, il se cadeau parce qu'il y a guerre. Oh. Non, non. Hey, non. Vous ramassez un paquet pour envoyer ici. Faut prendre mon nez là, ça suffit. Mais I have bon pistolet. Magnum, Beretta, Canossé. Ton price, like it's too small. Mais camarade, comment too small? It's good.
J'ai dit, chez nous, la maillée is nothing. Il a risqué ma vie avec la guerre. Vous n'avez qu'à chercher à monter en vie votre price? Mais c'est une moumate, quoi. On sait même pas ce qu'ils veulent. Il faut les give de billets. Il faut les give, t'as fait rien. Tiens. You like good money? Good pistol, hein? You like money? It's good like pistol. Good pistol. Y'a good pistol ici. Good pistol. Good pistol. Good money. Yeah, good money. C'est pas pompier. Hein? Good money. Good money. Good pistol. Good money. Don't kill me. Good pistol. Yeah, don't kill me. Ici. Don't kill me. I want to kill you. Tu as fait bien faire. Ça, c'est très important pour moi. Tu devais arrêter de les fréquenter. Ils font du n'importe quoi. Mais ils cherchent à progresser. Mais ils cherchent pour eux seulement. Le reste, ils s'en foutent. Je les connais tous. Ils viennent ici. Regarde, partout les puissants. Ils volent beaucoup plus qu'eux. Ils s'en foutent même du reste. Ils vivent en paix. Mais les puissants, ils ont la police pour protéger leur vol. Toi, tu n'as personne pour te protéger en cas de malheur. Mais si, j'aurais tout ça. C'est un guerrier plein. Je peux rien dire. Tu l'aimes, c'est tout. Mais quand tu ne l'aimeras plus, là, tu vas faire quoi de ça? Quand tu aimes quelqu'un, vrai, il y a des souvenirs que tu ne peux pas effacer. Ça reste dans toi pour toujours. Mais en cas de cas, il y a des produits qui effacent, non? Tu vois? Toi, tu n'as jamais changé, quoi. Il ne peut jamais changer. Tu aimes tout ça, non? Solo, I love. Ça y est, bientôt tu es libre.
où est l'Américain? Il est mort, les journaux l'ont bombé. Oh, tu mens. Où est l'argent? Il est parti de prendre les journaux sont venus. Oh, c'est toi revenu l'Américain pour prendre son argent. Pourquoi t'es pas revenu au Goudou? Tu mens, t'as l'argent, je t'ai vu me le sac dans la voiture. Complète d'abord, on va te gorger, petit maudit là. Alors, fiston, est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, la fièvre est tombée. Ça va mieux. Voilà le ventilateur que t'as donné. Tu sais, t'es trop moisi. Je vais acheter un nouveau pour toi. Mais les pieds qui étaient moi, t'es trop petit. Ça ne peut même pas payer un éventail même. Merci, Pépé. Du coup, on dirait que ça va maintenant. Ça va mieux, Al Capone, je pense à quelque chose tout le temps. Ça me travaille trop. Est-ce que, au fond de ton cœur, tu me fais confiance? Solo, j'étais le bras de ton vieux père Tyson. C'est pourquoi je fais tout ça. Est-ce que tu penses comme les autres que je vous ai doublé sur le coup? Est-ce que tu crois ce que les autres disent? Le sida, celui-là. Le sida, je crois. Toi qui tires sur tout ce qui bouge avec ton canon 600 fourreaux, ça peut bien t'arriver aussi. Non. Moi, je suis né entre les bambous et les bouteilles. Donc, en ordre ou en désordre là, à nous aller, moi je tige, ou bien. Fiston, tu peux plus remettre les pieds au Bronx. C'est fini ça.